La vitesse va probablement baisser encore sur les routes françaises puisque le Conseil national de la prévention routière devrait décider, enfin il n'a pas le pouvoir de décider, mais proposer au gouvernement d'abaisser de 90 à 80 km/h la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires. L'objectif est toujours le même, il est louable, on ne voit vraiment pas qui pourrait s'y opposer, diminuer le nombre de morts sur les routes françaises. Le problème, c'est que la lutte contre la mortalité sur les routes françaises semble avoir atteint un palier. À part l'action sur la vitesse, les pouvoirs publics sont un peu démunis. Bien sûr, plus la vitesse diminue, et moins les accidents seront importants et donc entraîneront la mort des usagers de la route. Mais jusqu'où peut-on, sans éclater de rire, diminuer la vitesse des voitures? Si on la diminue à 50, 40, 30 ou 20 km/h, on diminuera sans doute de manière significative le nombre de morts, mais à un moment, la notion même de transport en voiture devra être revue. Parce que aller en voiture moins vite que ne va un cycliste, par exemple, ça deviendra ridicule. En revanche, les pouvoirs publics n'agissent pas, ou agissent peu, ou ne savent pas comment agir sur d'autres facteurs qui sont importants. L'alcoolémie au volant, le cannabis au volant, qui suscite beaucoup d'accidents. Et on peut parfois les confondre, parce que quand on a bu, on va vite. Oui, mais ça, c'est pas la vitesse qui est en cause, c'est le comportement, l'attitude de celui qui a le volant. Ce sur quoi il faudrait que les pouvoirs publics travaillent davantage, c'est là-dessus. C'est comprendre que l'alcool doit être traqué chez l'automobiliste de manière beaucoup plus radicale et systématique qu'il ne l'est aujourd'hui. Et s'il ne l'est pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des résistances, des freins, des secteurs de la société, des intérêts économiques qui ne conduisent pas les pouvoirs publics à mener la lutte qui devrait être menée contre l'alcool au volant. Et le cannabis, de la même manière, qui provoque beaucoup de somnolence et qui est à l'origine de beaucoup d'accidents et de beaucoup de morts sur les routes. Donc, baisser la vitesse, oui, la baisser encore, pourquoi pas, la baisser tout le temps. Bon, quand la voiture sera à l'arrêt, ben, on arrêtera de baisser les vitesses. Mais il faut aussi penser à d'autres causes d'accidents qui sont significatives et sur lesquelles, hélas, les pouvoirs publics ne travaillent peut-être pas assez.